Rennes, c'est une équipe qui a des qualités. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. S'ils sont dans la première partie de tableau et bien classés, c'est qu'ils le méritent. Je veux évidemment à profiter d'une chance qu'on a, qui est unique, d'écarter une autre adversaire qui nous suit d'un plusieurs temps et dangereux pour nous. Bonsoir à tous et bienvenue pour vivre ensemble le retour du championnat en 2020, cette 20e journée de championnat de Ligue 1 Conforama. L'Olympique de Marseille qui se déplace au Roazhon Park de Rennes pour défier le Stade Rennais. C'est important de bien reprendre en championnat après la qualification en Coupe de France à Limoges face à Trélissac. Choisi par André Villas-Boas pour défier le Stade Rennais. Retour de Steve Mandanda dans les cages. Sur la droite, Bounassar. Sur le côté gauche, ça sera Jordan Amavi. En défense centrale, Alvaro González et Douye Kalaitachar. Au milieu de terrain, Bouba Camara en sentinelle. Sur la droite, Valentin Rongier. À gauche, Morgan Sanson. Et enfin, en attaque, Nemanja Radonjić, Dimitri Payet. Et en pointe, Dario Benedetto. Le coup d'envoi donné par Benoît Milieu. Dimitri Payet s'est frappé et ça passe au-dessus. Allez Camara, la frappe elle est déviée, ce sera dans les bras d'Edouard Mendy. Allez c'est parti, on a cherché la tête de Rongier et derrière la reprise de Camara, c'est pas terminé. Oh, le poteau. Le poteau pour l'OM. Bourigeau, c'est tiré fort, ça passe à côté. Et ça c'est bien fait pour Benjamin Bourigeau, il va enrouler Bourigeau. L'intervention de Steve Mandanda. C'est la fin de cette première période entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Pour repartir, il faut gagner, il faut confirmer la deuxième place dès ce soir. Il faut montrer qu'on est là et qu'on veut l'Europe cette année. L'ouverture, pied gauche pour Bourigeau, bonne intervention de Bounassar. Rafinha à pied gauche, ça passe juste à côté. Rongier qui trouve Payet, la frappe de Payet, oh, cette occasion. Ça c'est bien fait, grosse faute de Da Silva, il va prendre un carton. De l'application sur ce coup de pied arrêté, Dim. C'est frappé, le poteau. C'est pas Félix Troutman. Mais l'ouverture du score, Kevin Troutman, le coaching gagnant d'André Villas-Boas, c'est le but de Kevin Troutman, toute la joie marseillaise. Et Marseille qui met la zéro. Il faut siffler, ça y est, c'est terminé, Marseille qui remporte des 3 points, un but à 0 et une victoire qui fait du bien, c'est détendu, on voit Maxime Lopez et Dimitri Payet qui se prennent dans les bras. On va retenir, c'est la solidarité du groupe à l'image de Kevin qui me remplace et qui marque le but victorieux. Le groupe est vraiment concerné. Aujourd'hui, il ne débute pas, il rentre, il est décisif, il nous fait gagner ce match, il se bat pour l'équipe, il a un état d'esprit qui est irréprochable depuis le début. Et puis voilà, on a été solide, on a été efficace. On gagne ce match, c'est important. Surtout, il fallait ne pas perdre ce soir. On a fait mieux, on a gagné. C'est ça!
Marche. Laisse-moi tranquille. Etoda. 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 Yeah! For the record, ain't tryna link no time to waste. For the record.